Et salut à tous, bienvenue dans ce béni -là, là concernant le dev update du mois de janvier. Donc pour euh, le prochain mid chapter qui devrait arriver durant le mois, bah, durant ce mois, durant le, durant fin janvier, le PTB arrive demain et du coup il y, y a un dev update qui est sorti pour parler justement de, de ce patch. Donc il s'agit d'un patch d'équilibrage, mais aussi de qualité de vie. Il y a pas mal de choses à dire, donc j'essaie d'aller vite et euh, je vais pas forcément trop m'éterniser sur des choses sur lesquelles on a déjà parlé, notamment. On commence direct hein, par l'HUD, de la, euh, par, par un meilleur HUD euh, concernant les survivants et notamment pour améliorer la solo queue donc en fait ça vous permettra de savoir qui fait quoi sur la map qui est en train de faire un totem qui est en train de faire un coffre qui est en train de faire un gène par exemple euh, ça vous permet de savoir aussi si quelqu'un est en train d'ouvrir une porte si et aussi pour savoir notamment si vous êtes en train de vous gueuler. alors ça on savait déjà plus ou moins parce qu'il y avait la base en surveillance mais c'était pas forcément clair parce que ça pouvait aussi indiquer que quelqu'un se faisait la au moins les actions sont plus claires de ce côté là et aussi, vous avez euh, l'action de savoir qui est Chase. Donc, ça vous permet d'avoir des meilleurs automatismes côté survivant. Et du coup, cela va réduire le gap entre la solo queue et la primade. Et en termes d'équilibrage, de manière générale, pour ce qui va venir par la suite, au moins ce sera beaucoup plus clair et ce sera beaucoup plus simple pour les devs, puisqu'on ne peut pas forcément équilibrer euh, n'importe comment euh, tel tueur ou telle mécanique de jeu euh, si on part du principe qu'il y a euh, d'un côté la solo queue et d'un côté la primade, et qu'il y a un gap énorme entre les deux. Donc comme ça réduit ce gap, bah forcément là on peut, on a une idée beaucoup plus claire sur ce qui est capable de faire un groupe de 4 survivants, et bah du coup de, de faire des éléments d'équilibrage en fonction. Euh, petite mise à jour concernant euh, le wiggle. Alors vous savez le wiggle, euh, la mécanique bêta euh, avec euh, bah, les ski checks qui, euh, qui, <laughs> qui était en bêta depuis un an. Je me demandais quand est-ce qu'ils allaient enfin changer ce truc qu'ils allaient faire. Fait... Parce qu'en fait ça restait en bêta depuis, des... enfin, bah, depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas. Pourquoi ils ont entendu autant de temps, mais au final, elle va bien être ajoutée au jeu, donc elle sera plus dans l'onglet bêta du coup, parce que ça sera plus quelque chose testé en bêta, et certaines choses vont changer euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Euh, déjà, le fait euh, que ça ne euh, que ça ne permette plus de gagner de wiggle supplémentaire, puisque actuellement, si vous êtes euh, si vous êtes en train de wiggle, il vous faut 16 secondes pour pouvoir wiggle, enfin vous échapper de du tueur, et voilà. Mais sauf qu'avec le, le, justement les ski checks, bah, en fait, si vous, avez, si vous faites full perfect faites que des perfects, vous allez arriver à 15 secondes. Donc forcément, c'est du gain de temps gagné. Alors je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça, pour être honnête. Et l'ont fait quand même. Au final, ils vont revenir sur la décision et faire en sorte que ce ne soit euh, bah, que ce ne soit plus le cas. En fait, ce qui est une très bonne décision, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu un an pour le faire, mais on va dire mieux vaut tard que jamais, comme le, le, la chute de la solo queue. Voilà. Euh, deuxièmement, ça c'est quelque chose de plutôt agréable pour nos oreilles, c'est en fait le fait que si vous allez, enfin, si en fait vous lâchez votre clavier, en fait vous savez, genre justement avec le, le ski check, en fait il y avait toujours le bruit comme si vous aviez euh, foiré votre skill check, c'était un bruit qui pouvait devenir très redondant si en fait vous lâchez juste le clavier, et que vous laissez euh, par exemple le tueur vous emmener à la trappe, ou vous emmener à l'autre bout, peu, peu importe, et bah euh, ça sera un son différent. Donc ça c'est plutôt, ça sera plutôt agréable, tout ce qui est un peu effet sonore, un petit peu relou, euh, qui n'a rien à faire là, bon bah voilà, c'est toujours de la qualité de vie quoi. Euh, et alors j'essaie de revenir, euh, oui c'est aussi par rapport à DS, parce qu'en fait DS, en fait quand vous vous faites ramasser, euh, en fait, il y il avait, il avait comment dire, bah en fait, c'était le même son que par rapport à DS, et donc il va y avoir une, une certaine différence en termes de temps par rapport à ça. J'ai pas trop bien compris, mais en gros, ils vont vraiment faire en sorte qu'on sache en fait si ça va être le skill check de DS ou le skill check bah, du Wiggle en fait, parce qu'il y a une différence entre les deux. La Nurse, alors ça, quelque chose d'assez inattendu. Euh, bon, ça devait venir un jour, bien sûr, mais je m'attendais pas à ce que ce soit. Pour maintenant, je m'attendais plus à ce qu'il y ait des changements par rapport à Twins, mais au final, ce n'est pas plus mal qu'il y ait ce changement-là. On parle pas de rework, attention, on parle vraiment de rééquilibrage. Et euh, déjà, le premier changement qu'il faut dire, donc évidemment, il s'agit d'un nerf, bien sûr, et de certains... Alors, de certains réajustements, il faut savoir que je ne suis pas main nurse, euh, je ne connais pas tous les add ou quoi, donc euh, je vais vraiment aller euh, de, parler des infos euh, un peu générales concernant ce dev update, mais je ne peux pas forcément trop rentrer dans les détails. On verra après, lors du PTB, bien sûr, si certains éléments euh, apparaissent gênants par rapport aux add -ons. Mais de manière générale, notamment pour le Q de base, ça a l'air d'être plutôt cool. Notamment la première chose déjà qu'il faut noter, c'est que le Blink ne sera plus une attaque basique. Et ça, c'est insane, puisque du coup, ça vous, ça enlève en fait la possibilité, euh, en fait, euh, que la Nurse puisse en fait bah, une game euh, grâce à certains builds en fait, ou genre et euh, beaucoup d'avantages grâce à un build. Et notamment grâce à fascination par exemple, qui fait que vous pouvez one shot avec une attaque basique. Euh, Noed no ou même, ou même d'autres, ou même terrain ça, ça ne sera plus possible, c'est fini. C'est-à-dire que concrètement, ça ne sera plus possible, en fait, avec certains builds one-shot, de pouvoir jouer à nerfs. Et ça, c'est vraiment, vraiment euh, quelque chose de cool, ça devait... C'était le changement, on va dire, le plus simple à faire euh, concernant un nerf, mais déjà, par rapport à certains builds nerfs qui pourront être joués, enfin, qui, qui avaient l'habitude d'être joués, bah, il n'y aura pas cette frustration-là, en fait. Ça, 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 ça ne sera plus le cas. Euh... Alors, un son qui a été rajouté une fois que vous avez tous les blinks... Euh... Euh... Ouais, voilà, bon, voilà, ça, c'est ça, on va dire, c'est la qualité de vie par rapport au son, etc. Euh, donc, certains add qui ont été changés, notamment, et ça aussi, bah, c'était le, on va dire, le, la deuxième chose qui était euh, cohérente à faire, c'est les add de range qui, euh, malgré euh, le fixe qui avait eu lieu il y a quelques mois, je sais pas si vous vous rappelez de l'Omega etc., qui était buggé et qui, du coup, était extrêmement fort. Euh, ah non, qui n'était pas buggé, c'était volontaire par les David. Il l'avait dit après, donc un hein, hop volontaire de la d'air qui après ils ont réajusté parce qu'ils ont compris que voilà, et ben bah, ils remettent un coup de marteau derrière en renerfant, et du coup les zones de range bah, n'existent plus, et sont rechangées du coup. Là, en l'occurrence, ça donne là fera en sorte que, alors je crois que du coup c'est le vert, et là j'imagine que c'est le violet, parce qu'il y a deux zones de range, il y en a un vert et un violet. Euh, Celui-là, après, une fois que vous avez hit un survivant, vous allez devenir un détectable pendant 25 secondes, et il y a un CD de 45 secondes. Ok, pourquoi pas et ça donne là, fait qu'en fait vous pouvez, euh, alors, euh, une fois que vous avez utilisé toutes les TP, en fait vous pouvez euh, vous re euh, comment dire, revenir à l'emplacement où vous avez TP un peu comme un add-on de la SPH, je crois qu'il y a ça aussi. Et du coup vous avez de nouveau toutes vos charges. Donc à voir ce que ça donne. Euh, mais concrètement la range du coup n'existe plus. Donc là on part sur du gameplay un peu moins classique on va dire euh, concernant la nurse. Et donc à voir, à voir ce que ça va donner. Et aussi euh, bah certains addons ons qui ont changé, alors c'est vrai que j'ai pas vérifié, je suis désolé, hein. je fais un peu cette vidéo à la va-vite euh, parce que le dev update est sorti un peu tard et après je vais stream. Je ne sais pas si les addons qui sont là, il y, en a, il y a les addons de reload qui sont concernés, Si c'est le cas, ça peut être extrêmement impactant puisque on va dire que les addons les plus faire, équilibrés, euh, mais qui sont quand même souvent sais c'est les addons de recharge, donc pour recharger plus rapidement les. Les Tokens de Blink, du coup, euh, s'ils sont là-dedans, ça peut être très impactant euh, de manière générale parce que là, après, on parlait euh, juste avant euh, bah, des builds, etc. Mais on va dire que les, les Mainers sont pas forcément besoin de ça, n'ont pas forcément besoin des ordonnances de range. Par contre, les add-ons pour les recharges de tokens peuvent être très impactés. Donc, à voir, oui, je crois que Heavy Punting, oui, ça, ça fait partie. Donc, euh, en l'occurrence, ça, ça peut être aussi très impactant. Ça veut dire que vous aurez plus de temps pour prendre de la distance aussi en tant que survivant. Donc, à voir aussi. Comme j'ai dit, là, c'est un peu l'avis, euh, un avis pas forcément euh, très développé de ma part parce que je ne suis pas main nurse, donc euh, je peux pas. Euh, en soi, nurse reste le tueur top 1 de loin, bien sûr, et euh, je pense que ça va forcément être bénéfique pour le jeu. Euh, c'est les génerves, puisqu'on ne parle pas non plus d'une destruction, donc à voir, à tester en tout cas. Je serais curieux aussi peut-être de tester aussi à nurse et de voir un peu ce que ça donne de ce côté-là et surtout de jouer contre, voir à peu près le temps en fait que ça nous donne. Alors un autre changement aussi auquel je ne m'attendais pas, et eh bien c'est le knight, c'est le chevalier. Et alors ça aussi c'est très inattendu puisque on a eu la sortie de Sadako, quelques mois plus tard il y a eu rien. On a eu la sortie du dredge, quelques mois plus tard il y a rien eu, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Qu'est-ce qu'on avait vu aussi euh, On a vu Wesker. Il me semble qu'il n'y avait pas eu de changement aussi également. Enfin c'est-à-dire que moi j'avais vraiment dans ma tête je me disais en fait ils sortent un tueur et après bon voilà quoi c'est d'ailleurs voilà bon, dans 2-3 ans on derrière et puis voilà mais non là en l'occurrence il y a un changement sur le Knight qui est sorti il y a un mois et demi et pour moi honnêtement à part les bugs bien sûr il n'y avait pas vraiment de priorité d'équilibrage évidemment bien sûr qu'on peut changer tous les tueurs et qu'on qu peut rééquilibrer tous les tueurs et qu'il y a plein de petits trucs à changer ici et là mais le Knight, pour moi n'était pas spécialement une priorité mais ok pourquoi pas et euh, du coup les changements déjà euh, la première chose à savoir c'est que quand vous faites apparaître un garde avec le Knight et que, bah, en fait, il y a une orbe verte, où on peut voir du coup le chemin de la patrouille, et eh bien quand ça va dépasser les 10 mètres, le survivant ne pourra plus voir l'orbe le... en fait. Et donc ça c'est plutôt positif. Justement, je ne vais pas dire encore la suite, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils veulent faire en sorte de euh, favoriser et de donner envie justement aux joueurs... Euh, D'amener les patrouilles les, le plus loin possible. Généralement, c'est pas le gameplay le plus rentable avec le Knight, c'est ça qu'il faut comprendre. Généralement, le truc le plus rentable, c'est vous arrivez sur un loop, vous posez le garde à un mètre de vous, et puis en fait, ça le zone, et en fait, vous allez vous allez directement aller sur le survivant et tout. et En fait, c'est utiliser votre garde pour deux mètres, mais pas pour euh, des longues distances, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Et là, avec ce patch, c'est ce qu'ils ont envie de faire. C'est ce qu'ils ont, ils ont vraiment envie de faire en sorte que le, la patrouille soit. qu'on ait envie d'utiliser une patrouille qui aille loin, en fait. Et du coup, il y a ce changement-là. Il y a aussi le fait que si ça dépasse les 10 mètres, euh, vous allez gagner euh, un statut de vitesse pendant quelques secondes, donc à voir combien de secondes c'est précisément, bien sûr. Et troisièmement. Euh, alors attendez, je relis. Euh... Oui, alors voilà, ça c est, c est aussi c'est très intéressant parce qu'en gros, quand vous invoquez un garde, euh, il faut, je crois, attendre deux secondes avant que le garde soit entre guillemets actif. Et en fait, une fois qu'il y, qu y a le survivant. Qui est dans la zone, là il est autre chaise, donc en fait c'est pour ça que ça peut être un peu chiant justement quand vous envoyez un garde loin parce que du coup vous le mettez limite à côté du survivant, mais comme il faut deux secondes pour qu'il commence à être actif, entre guillemets, et ben en fait, juste le survivant sort de la zone et voilà. Et en fait, non seulement vous avez amené votre garde loin, votre garde va être inutile et vous allez perdu beaucoup de distance, mais là en fait, ça sera instant au-delà de 10 mètres. Donc, ça, ces trois changements incitent fortement à juste concrètement bah, en faire que, que des pas trop longues en fait. La vitesse, plus le fait que le garde va de chaise instant, le survivant, euh, plus le fait au final qu'il aura bah, pas d'info, alors peut-être qu'il y aura une info sonore à voir, il y aura pas l'info visuelle, mais peut-être qu'il y aura une info sonore, ou en tout cas il va devoir anticiper, il y aura un certain mind game par rapport à ça. Il faut savoir que quand vous jouez justement le night vous pouvez entendre des bruits de pas. Donc à voir comment ça va être joué, mais le gameplay semblerait différent. Après, il y, aura, il y aura toujours la possibilité, bien sûr. Il y aura toujours la possibilité de d'utiliser votre garde pour 2 mètres. Ça, ça ne change pas. Il n'y a pas de nerf de ce côté-là. C'est majoritairement du up. Quelques changements aussi. Quand vous utilisez votre garde pour casser un gène, ça ne va pas être 2,5% de dégâts directs sur le générateur, mais 5%. voilà, Donc, les g -buff aussi également. Euh, à savoir que, et heureusement d'ailleurs que c'est le cas, que les gardes ne sont pas impactés par les percs. Donc, si par exemple, vous avez appelé de la mer et option, ça ne sera pas impacté par ça. Et donc il y a aussi... Alors, donc ça du coup c'est plus un nerf effectivement, donc s'il y a quand même un nerf, si j'ai bien compris ça en fait, euh, concrètement si vous utilisez votre garde et que vous faites... Enfin, si vous, utilisez... si vous invoquez un garde et que vous restez mobile, en fait vous êtes euh, indétectable pendant un certain... Bah, pendant une durée limitée d'ailleurs. Ça je ne ça, je savais pas trop cette technique, mais en gros vous pouvez camper avec ça en fait. Et concrètement ce que vous faites, enfin concrètement ce qui a été fait c'est que si ça dépasse les 10 secondes, bah, en gros vous pouvez plus invoquer votre garde. Et en fait, c'est terminé, quoi. C'est séquence, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est un bon changement aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, voilà. Euh, autre changement, euh, très, enfin, pas vraiment inattendu, parce que du coup, on avait eu le teaser. Enfin, c'était pas sûr à 100%, mais en gros, dans, dans l'image qui avait été teasée au début euh, sur Twitter, en fait, on, on avait vu que euh, le mur-là et la fenêtre-là étaient et avait, avait, changé de, avait changé de côté, donc on pouvait anticiper un, un changement de cette map, et effectivement c'est le cas, et on a des images plutôt cool d'ailleurs ici, enfin une image plutôt cool d'ailleurs ici. Euh... Et donc, euh, justement, alors j'ai pas forcément tout lu, mais concrètement, en gros, ils veulent, j'imagine, nerf la map, donc je vais pas forcément trop euh, aller dans les détails par rapport à ça, on testera sur le PTB, vous savez que les maps, moi j'adore ça, j'ai fait un tuto sur Ereopro justement, où j'ai fait un schéma et tout, donc on ira visiter la map, je ferai une vidéo où je ferai des comparaisons par rapport aux deux maps et vous dire à peu près mon avis par rapport à ça, mais c'est plutôt quelque chose de positif. J'espère aussi qu'ils seront amenés à faire ça pour les autres maps, pour garder la joie, etc., mais en tout cas je trouve ça positif, qui rééquilibre certaines maps qui, euh... bah en fait, qui pourraient être bien dans le jeu, qui pourrait être... on pourrait avoir du plaisir à y aller des... dans les des deux sides, mais où il y a un manque d'équilibrage en fait, concrètement. Euh, le fait qu'il y avait beaucoup de palettes, le fait aussi que la plupart des spots, étaient... on pouvait pas vraiment brain, en fait, euh, il y avait beaucoup ce côté, et là, par exemple, c'est pour ça que cette image euh, me fait plaisir, c'est qu'il y avait aussi ce côté un peu tueur distant où on, bah, on avait beaucoup de loup rochers, on pouvait rien faire au-dessus, là, par exemple, bah, ce loop-là, bah, par exemple, si on est un tueur distant on va pouvoir faire quelque chose. Donc c'est donc c'est quelque chose de plutôt positif à voir, euh, curieux de voir aussi au niveau de la taille, etc., euh, combien de mes styles seront retirés et tout, donc à voir. Là, euh, pour l'instant, il faut. c'est bien dans ce qui est dit, en tout cas, clairement, c'est un nerf qu'ils veulent, concrètement. Euh, D'après ce qui est dit aussi, ils vont changer aussi la taille de la map et tout, donc je suis vraiment curieux de voir. Euh, on verra, voilà, je, on verra le PTB et je serai très curieux de voir ça. Euh, In-game challenge tracker, donc... Euh... Ça, c'est de la qualité de vie plutôt agréable. Concernant les tomes, bon, je ne vais pas forcément trop euh, euh, parler 3 millions là-dessus, mais en gros, concrètement, vous avez un indicateur sur, euh, sur le défi dans lequel vous êtes. Donc par exemple, si vous devez faire 3 générateurs, dans la game, vous savez plus trop à combien vous en êtes, etc. Bah, au moins, vous savez parce que vous avez un indicateur. Donc ça, plutôt cool. Euh, la qualité de vie, euh, voilà, GG, c'est cool. Euh, sinon, alors oui, il y a tout ce qui est euh, le fait de chercher. Alors ça, c'est plutôt cool si C'est de la qualité de vie aussi dans le menu du jeu. Euh... Donc pendant qu'en fait vous êtes en queue ou quoi, euh, bah en fait vous allez pouvoir chercher euh, un défi. Donc en fait quand vous êtes dans la queue, en fait vous pouvez pas prendre. Vous êtes obligé de de quitter, d'aller prendre vos défis et de relancer. Là, maintenant, vous pourrez directement aller sélectionner votre défi. Donc ça, c'est bien. Et il y a aussi autre chose auquel je m'attendais pas. Pour les tueurs, vous pourrez en fait, euh, en fait mettre votre point sur un autre tueur. En fait, quand vous êtes en train de tag en tueur, bah, vous pouvez pas changer de tueur pour remettre vos, vos points. Vous pouvez uniquement les mettre sur, les, sur, les, sur le tueur dans lequel vous avez lancé le lobby, et là, en fait, vous pourrez, vous pourrez directement, euh, alors certes, la game va se lancer avec le tueur que vous avez sélectionné, mais vous pouvez décider de mettre vos points sur un autre tueur, et ça, c'est intéressant dans des cas où, par exemple, je sais pas, euh, un nouveau tueur sort, euh, vous, devez, vous voulez quand même avoir ses perks mais vous voulez quand même joindre de tueurs, mais du coup, euh, bah, en fait, c'est chiant, parce que vous devez récolter vos points, vous devez dépenser vos points, il faut savoir que dépenser ses points, actuellement, c'est quand même très long, euh, mais du coup vous pouvez pas jouer, vous pouvez pas lancer de... Ok, vous êtes en train de up le nouveau tueur en question, mais du coup vous pouvez pas lancer une game pour jouer. Si en plus la d'attente est longue, bah c'est encore plus chiant du coup. Enfin bon bref. Donc ça c'est de la qualité de vie qui va faire gagner du temps, qui va être assez agréable aussi, donc vraiment cool, voilà, rien à ajouter par rapport à ça. Euh... Petit détail, alors ça c'est par rapport aux adeptes, Voilà, bon, alors, alors ça je m'attendais pas à ce qu'ils le fassent non plus, je pense qu'il y aurait eu d'autres moyens de le faire, mais ok, je vais pas juger là-dessus. En gros, concrètement, c'est par rapport à l'adepte, en gros pour... Euh... Euh, pour avoir en fait l'adepte côté tueur, il, faut, il faudra faire 4 kills, voilà concrètement, euh, avant c'était par rapport aux emblèmes, il fallait double pipe, donc ça veut dire que par exemple en rang rouge il fallait faire tout irisé partout, ce qui était vraiment pas ouf en vrai, donc c'est plutôt un bon changement, on se prendra moins la tête, il n'y aura pas le truc par rapport euh, euh, aux emblèmes, je pense que le meilleur, la, la meilleure chose qu'il aurait fallu faire, c'est mon point de vue après, ça aurait été de faire en sorte que ce soit euh, l'emblème dévotion en irisé et basta, en fait, concrètement. C'est-à-dire faire 9 euh, hook minimum et 4 kills, et, et, et que les autres emblèmes ne soient pas impactés du tout. Peu importe, en fait, votre rang, voilà. Je, euh, mais au final, 4 kills, on dira ça sera plus simple, et ça sera aussi, bon, au moins, c'est plus, on va dire, c'est moins prise de tête aussi. Euh, mais voilà, bon, euh, ok. Bon, au moins, ça règle aussi ce problème-là par rapport au succès, donc voilà. Euh, les éclats irisés, donc oui, en fait, actuellement, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ils ont envie de faire en sorte que tous les personnages non licenciés, en fait, on puisse acheter des skins euh, en, éclats, en éclats irisés. En fait, ils vont faire ça au fur et à mesure. Actuellement, on a tous ces persos-là, donc tous les persos un peu de base, plus d'autres. Euh, voilà, je vous laisse lire si vous voulez, si vous voulez voir qu'on peut acheter en éclats irisés, du coup. Et au prochain patch, ceux qui seront ajoutés, ce sera du coup Clown, Spirit, Ace et Fengmin. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, il faut savoir en fait que quand un skin sort justement sur un personnage non licencié, et par exemple c'est le cas du, du Knight par exemple, si vous voulez voir le skin légendaire, et ben on peut l'acheter en éclairisé par exemple, donc ça c'est plutôt cool. En fait il faut attendre 4 semaines quand un skin sort, ce qui permet du coup on va dire aux devs de faire de, de, faire de l'argent euh, si les gens sont vraiment impatients d'avoir le skin, mais du coup pour ceux qui ont des vous pouvez quand même obtenir le skin 4 semaines plus tard, donc ça je trouve que c'est plutôt un bon équilibre de ce côté là, et puis euh, surtout bah, pour les autres persos, pour les autres skins, il y a tellement de skins qu'on va pouvoir acheter en éclairisé, donc... Euh... Donc voilà, alors un truc que j'avais pas lu, euh, update on cheating. Euh, donc alors, pas forcément grand chose à dire par rapport à ça, mais j'imagine. Euh... Ah oui, oui, c'est tous les bans, ok, ouais, donc c'est vraiment. <laughs> il y a eu énormément de bans cette année, il y a jamais eu autant de bans de ces deux dernières années, donc il y a eu vraiment un tri, et justement, bon, on avait fait. Euh... J'avais fait du coup, justement, une vidéo par rapport à ça, mais par rapport au cheat. Et du fait qu'on était vraiment dans une période très compliquée par rapport à ça, je trouve que le taf a été fait. Euh, J'en ai très rarement des cheaters maintenant. J'en ai vraiment très rarement. Il y a une époque où on avait plusieurs portions et tout. C'était insupportable. Donc merci Biagère d'avoir arrangé ça. Euh, le patch là, elle est vraiment plutôt cool. Donc PTB du coup demain. Donc on va tester ça bien sûr. Et puis, euh, puis voilà, petit. Alors c'est vrai que le logo ici là me, me fait un peu troller. Le seul petit regret que j'ai, je vais casser les couilles avec ça, mais on, en, on sera amené à en reparler bien sûr, et je pense que ça sera quand même modifié plus tard. C'est éruption, et notamment le statut immobilisé, je m'attendais quand même à. Peut-être qu'il peut qu y aura quand même des changements par rapport à ce statut, mais que ça sera dit dans le patch note à voir. Mais voilà, sinon dans la globalité, ça a l'air d'être un bon patch. Je suis vraiment. Euh, là, autant on a vu un dernier mid-chapter où il n'y avait eu rien, autant celui-là. Elle a l'air d'être vraiment cool, que ce soit pour la nurse, que ce soit euh, pour la map here of close que ce soit aussi pour la solo queue, ce qui va être insane, je veux dire, en termes de qualité de vie, et d'éviter un peu toute la frustration qu'on avait par rapport à la solo queue, à lui il va pas sauver, machin, etc. Là, ce, cela n'existera plus, en fait, concrètement, et ça va améliorer aussi la, enfin, la prise de décision de manière générale. Donc, euh... donc voilà, rien d'autre à ajouter, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle fait quasiment 20 minutes, euh, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau euh... béni Ciao, ciao.